Bon, alors moi je vais faire un truc un peu original, je vais parler sans slide. Déjà une question toute simple, qui est formateur ici? Ah, c'est cool. Bon, bah alors messieurs, c'est bon, je vais rien vous apprendre a priori. Alors, ah, excusez-moi, j'avais pas vu la main, désolé, j'ai une tête devant. Bon, bah bonjour messieurs et madame. Alors il y a quelques années, l'État a créé un super statut qui s'appelle le statut d'entrepreneur. Donc, qui a fait un statut auto-entrepreneur en dehors du statut de formateur? Ah, il y a déjà un peu plus de monde. Donc, vous avez pu voir, effectivement, ils ont tenu un peu leur promesse. Ils ont dit, vous allez voir, en une demi-heure, vous allez pouvoir aller devenir une entreprise. Effectivement, c'est pas mal. En une petite demi-heure, une heure, une fois qu'on a passé tous les plantages navigateurs sur cette espèce de page absolument immonde qui doit être optimisée pour iOS 5 et tout casser. Effectivement, on devient auto-entrepreneur. Pas de souci. Jusque-là, effectivement, vous avez déclaré mon système, comment dire, mon corps de métier, mon activité. C'est de la formation, donc a priori je suis formateur, c'est parti. Ça fait une heure, très bien, super. Donc jusque-là vous êtes plutôt content. Et puis là on vous dit, bon bah c'est bien, maintenant il va falloir que tu trouves des clients. Bon là tu commences à chercher, tu t'es fait un petit blog, tu as parlé un peu de tout ça. Tu commences à parler un petit peu avec des groupes de formation, là y a pas de problème, ils trouvent très très rapidement plein de clients. Sauf qu'entre deux, bon t'as reçu une pile à peu près comme ça tous les mois de pubs pour différentes assurances, pour des mutuelles, pour des machins, pour métro, JPG, enfin tous les trucs dont t'as pas besoin, quoi. Genre, on t'envoie des racks complets pour ranger des tonnes d'affaires, des tonnes de dossiers, ou pour t'acheter 50 litres de liquide vaisselle par semaine. Bon, admettons. Enfin, je suis formateur, je suis pas cuisinier, mais bon, peu importe, c'est pas grave. Donc, une fois passé cette espèce de boîte à spam, tu redécouvres le spam par courrier papier, pas par courrier mail. Donc, ça, c'est très bien. Là, tu te dis, bon, bah, ça y est, c'est bon quand même. Enfin, les centres de formation m'envoient du client, cool. Puis, ça tombe bien, il y a aussi des entreprises qui m'appellent. Alors, à l'origine, j'ai appelé cette session, mais où est Charlie? Parce que Charlie, en l'occurrence, ici, c'est le client avec qui ça va marcher. C'est là que ça devient drôle. Pourquoi, mais où est Charlie? Vous connaissez tous ce super jeu, mais où est Charlie, avec tout plein. Qui ne connaît pas, mais où est Charlie? Très bien, ça fait plaisir. Merci. Merci par solidarité. Très pratique. Bon, bah, comme ça, je vais pouvoir expliquer rapidement. Ouais, c'est bon, j'ai le temps. Alors, oui, Charlie, vous vous rappelez cette espèce d'image avec, il y a des centaines de personnages perdus dans des bâtiments ou dans une zone avec plein de couleurs partout. Puis, évidemment, tu dois retrouver un bonhomme qui est bichrome, donc c'est-à-dire juste blanc et rouge. C'est super pratique pour ne pas le voir. En même temps, c'est le but du jeu. Alors, là, du coup, tu te dis, bon, allez, c'est parti, je vais commencer à le chercher, on va faire méthodique, on va regarder comme ça, juste bêtement. Puis au bout d'un moment, au bout d'un quart d'heure, tu te rends compte que tu fais juste comme ça, enfin tu fais un peu n'importe quoi, Bah c'est pareil dans le domaine de la formation, c'est un peu le même bazar. C'est-à-dire qu'en fait, au début, les mecs vont t'appeler un peu n'importe comment, puis en plus toi t'auras contacté des boîtes comme ça en te disant allez, on sait jamais, ça peut marcher et tout. Qui a une idée de combien est le budget de la formation professionnelle en France annuelle? Juste comme ça, de balancer des chiffres. Juste pour voir. On va jouer à un juste prix. Plus. Le monsieur a dit 3 milliards, c'est plus que ça. Quand même pas. Bon allez, je vous balance, parce que sinon, ouais, 3,5 milliards, je vais me faire engueuler. C'est précisément 14 milliards. C'est-à-dire que tous les ans, il y a 14 milliards qui sont balancés dans des boîtes de formation par l'État. Donc en plus des sous qui sont complétés sur les droits à la formation par les entreprises. Donc approximativement, c'est 20 milliards, dont 14 milliards qui sont fournis directement par l'État. Il faut savoir que quand vous fournissez votre programme à l'agence qui va valider votre programme, eux, ils s'en foutent de la qualité de votre programme, ils s'en foutent de ce que vous faites réellement tant que vous le faites. Donc de toute façon, tant que vous certifiez que vous le faites et que la personne derrière qui a signé a payé le petit tiers qui est resté, on va dire grosso merdo, ils s'en foutent mais alors royalement. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a des boîtes, par exemple, il y a des super reportages sur le sujet qui ont fait un peu scandale. Je sais pas si certains ont vu, par exemple, le reportage Clash qui était très gentil là-dessus. Il y a des mecs qui font des formations professionnelles sur comment gérer son stress et qui font du yoga pendant 2 jours. Bon, le yoga c'est bien, j'encourage à le faire, j'en ai fait, c'est très très bien, mais c'est pas de la formation professionnelle. Enfin, pourquoi pas? Enfin, si on veut devenir prof de yoga, pourquoi pas? Donc 14 milliards servent à tout ça. Donc moi je me suis dit, eh bonhomme, moi je veux ma part du gâteau, hein, 14 milliards, si je peux arriver à me récupérer 1000 euros, tant qu'à faire, ça me va. Ça tombe bien, la création d'entreprise en auto-entrepreneur, c'est 0 euros, c'est gratuit. Donc autant en profiter. Et là, les entreprises commencent vraiment à te contacter. Tu te dis, ouais, machin, je veux une formation Angular, je veux une formation JS. Moi, je veux une formation C++. Ça tombe bien, je suis pas formateur C++. Donc déjà, parmi tous les personnages que vous allez éliminer, vous allez pouvoir virer les bâtiments sur le topo où est Charlie. Vous virez tous les bâtiments, tous les mecs qui vont vous demander des formations que vous ne faites pas. C'est simple. Après, vous allez pouvoir éliminer aussi, bah, par exemple, tous les animaux et les objets à la con qui traînent partout. Excusez-moi, je suis très grossier dans mon langage.
C'est tous ces éléments-là, tous ces objets pourris qui se baladent et qui vont juste vous perturber le paysage. Toutes ces choses-là, ce sont simples. Ce sont les personnes qui vont arriver et qui vont vous dire bonjour, je veux une formation. Je sais que c'est sur une techno précise. A priori, ça s'appelle Angular. La fois, ah, ok, c'est pas un technicien qui m'appelle, c'est sûrement le RHO qui sait pas trop de quoi il parle. Tant mieux qu'il y ait les précautions. Et là, te dit, je sais pas combien de personnes et je sais pas encore quand. Maman, je fais quoi moi? Je me prépare comment? Et puis après, tant qu'à faire, il va te dire, je sais pas si je veux 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Hey, trop cool! Et le mec te rappelle 2 jours après et te dit, c'est dans 3 jours. Yes! 3 jours pour préparer, je ne sais pas combien de personnes, je ne sais pas combien de temps. Bon, bah non, désolé monsieur, je fais pas là. Faut savoir à peu près que pour préparer une journée de formation, on va dire préparer pendant 3 jours. Donc quand ils vous disent c'est dans 2 jours, si t'es pas déjà super prêt, c'est mort. Tu vas t'étaler comme ça. Faut savoir aussi que quand t'es pas prêt, quand tu te rates, t'es pas payé. Bah ouais, ce serait trop facile sinon. Alors, donc là vous avez déjà éliminé les bâtiments, vous avez éliminé les objets, vous avez éliminé plein de choses. Et là, coup de bol, vous dites, bon, allez, c'est parti, je veux faire la formation. Et là, le mec te dit, passez-moi votre numéro de siret. Facile, t'es entrepreneur, ton numéro de siret, tu l'as. Et là, on te dit, envoyez-moi aussi votre numéro d'agrément de formateur. Hein? C'est quoi un numéro d'agrément de formateur? Bah ouais, toi, tu t'es dit, j'ai créé une entreprise d'information, je suis formateur, c'est bon. Eh ben non! Enfin, si, vous êtes formateur, mais vous n'êtes pas formateur vis-à-vis de l'État. Il vous faut votre agrément de DIF. C'est-à-dire, l'agrément de DIF, vous vous rappelez, enfin, tout le monde sait ce que c'est le DIF? Ouais, c'est bon. Alors, l'agrément de DIF, comment on l'obtient pour être formateur? C'est simple, faut déjà avoir fait une formation. Hein? Donc en fait, il faut avoir fait une formation pour pouvoir faire des formations. Wouh! Alors en fait, il faut que vous ayez une entreprise qui accepte de vous entièrement tout payer pour qu'ensuite vous vous fassiez rembourser une fois que vous avez eu l'agrément, qui va mettre 3 mois à revenir, sachant que le mec il a payé 60 jours fin de mois maximum, et encore c'est déjà limite, parce qu'en général il paye plutôt à 30 jours fin de mois, ou si c'est des mauvais payeurs, il paye pas. Ou si vous avez été mauvais, vous n'avez pas été payé, donc en plus vous pouvez même pas juste estimer l'agrément. Là, c'est déjà un peu le bazar, là, vous commencez un petit peu à pleurer. 7 minutes, c'est très bien, on est dans les temps. Ça, je vous ennuie pas encore. Très bien. Alors, et donc du coup, là, vous avez, bon, alors, attends, faut que je trouve un client qui accepte de payer à l'avance 100%, sachant qu'en réalité, il est censé payer 20% son plan de formation. Oh, ça va être dur, ça va être très dur. Et là, tu commences à te dire, bon, allez, on va faire un effort, on va contacter les copains qui ont des bons postes, ou voir qui sont carrément directeurs techniques, voir des copains qui sont entrepreneurs aussi, qui peuvent potentiellement faire ça. Les mecs, la plupart vont me dire, ben non, mec, j'ai déjà pas de thunes pour gérer ma propre boîte, comment tu veux que je te paye en tant que formateur? Surtout à l'avance, c'est que je suis pas sûr d'être remboursé derrière. Ouais. Là, tu commences à faire du tri dans tes copains aussi. C'est assez rigolo. Enfin, ceci, c'est plus sympa, hein, ça allège les budgets pour les prochaines crémaillères. Donc, tu fais un peu tout ça, et après, du coup, tu te dis, bon, allez, je vais contacter les centres de formation, parce que les centres de formation, c'est cool, parce que eux, ils l'ont l'agrément. Je sais pas comment ils l'ont eu, hein, mais eux, ils l'ont. Bon, bah, très bien, tu passes par les centres de formation. Le mec, il te dit, vas-y, c'est bon, moi, j'ai un client pour toi, donc en général, c'est pas du tout ce qu'il faut. Le mec va te faire chier pour, tu fais tout le boulot, t'inquiète, tu fais tout le boulot, je te prends 80% de la paye. Ah, ah ouais, ça fait cher, là. Bon, bah, ok, je vais le faire. Ah ouais, mais attends, ça me donne pas l'agrément. Bah non, parce que du coup, vous avez toujours pas l'agrément. Vous voyez, moi, un an, j'ai fait une dizaine de formations, j'ai toujours pas l'agrément. Enfin, un peu plus d'un an maintenant, ça fait un an et demi. Donc voilà, c'est quand même un peu la mission. Et enfin, tu trouves enfin le client, le Charlie, qui va te donner cet agrément. Et puis là, tu dis, mince, attends, il y a encore un truc qu'il faut que tu fasses. Quand tu t'apprêtes à être agrémenté, avant, il faut que tu tapes le bilan de compétences, le programme défini avec le client, qu'il faut que tu l'envoies juste avant la formation à l'État pour qu'il te le valide. Et enfin, après, il faut que tu fasses les certifications, comme quoi ils ont participé à la formation. Et là, tu fais, bah, en fait, non, l'agrément, j'en veux pas. Je veux pas le trouver, Charlie. Je vais trouver son chien, là, l'autre animal qui avait le même bonnet, qui à chaque fois on dit, eh ben non, c'était le chien, pas de bol. Voilà. Donc, c'est à peu près ça, la vie de formateur indépendant. Au début, je pensais faire juste formateur indépendant, bienvenue en enfer. Mais c'est plus sympa de comparer ça à Charlie, quand même. Faut prendre le bon côté des choses. Voilà, j'espère que vous aurez envie d'être auto-entrepreneur formateur, voici. Bonne soirée. Donc si tu n'as pas ton agrément, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton client ne sera pas remboursé par l'État ou concrètement ça change quoi? Alors, vu que j'ai pas d'agrément, du coup, en fait, vu que j'avais pas non plus envie, je vais répondre autrement, j'ai plus envie de faire les bilans de compétences, j'ai pas envie de faire les papiers, toutes les conneries administratives. Enfin, j'ai encore dû
bien un grand mot, excusez-moi. J'ai pas envie de faire toutes les anneries administratives qui encadrent tout ça. Donc du coup, en fait, je me suis associé avec un centre de formation qui lui a l'agrément, qui se charge de tout ce que j'ai pas envie de faire, puis je fais juste mes formations. Et du coup, non, maintenant je prends 60%. Alors par contre, faut savoir, mais ça c'est j'en ai pas parlé, au niveau de la paye, vous pouvez facilement demander 600 euros par jour sans les frais de déplacement. Donc en général, pour 3 jours, vous faites un mois de salaire. C'est plutôt honnête, sachant qu'ensuite, les taxes de la taxe par l'État, c'est 25%. Bon, une semaine de travail dans les grandes lignes, vous êtes fait quand même 2000 balles, c'est plutôt honnête. D'autres questions? Moi, je peux... Non, mais franchement, j'ai beaucoup aimé ton talk. Mais je peux témoigner sur le sujet, parce qu'en fait, nous, quand on a monté Human Coders, on est tombé dans exactement les mêmes travers que toi. On a découvert le bin, ce que c'était, mais c'était l'horreur. À la limite, nous, sur le moment, on avait même des clients qui ne voulaient pas forcément être financés, mais même là, il y avait des obligations légales, etc., une horreur. Et là, ça va se complexifier encore plus à partir de 2015. C'est qu'il y a une réforme qui arrive, qui va, du coup, alléger énormément les budgets. Donc, au final, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura autant de complexité, mais finalement, avec des clients qui seront moins remboursés. Donc, finalement, encore moins de personnes qui vont prendre des formations. Voilà, c'est juste pour aller dans ton sens là-dessus. Donc nous, on a énormément galéré. Bon, comme on est développeur, bah finalement à chaque fois qu'il y a des choses qui nous embêtaient, bah en fait on a codé quelque chose pour générer les documents administratifs, etc. On essayait de, comme on pouvait, on va dire, de se démerder. Mais honnêtement, c'était vraiment galère. Et finalement, là où on a réussi à s'en tirer, c'était soit avec des process humains et soit avec l'automatisation de développement. Et enfin, ça reste compliqué, quoi. Donc voilà. En tout cas, je pense que c'est malheureusement une solution, c'est que toute cette galère administrative, c'est essayer soit de l'automatiser soi-même, soit de s'associer avec quelqu'un, puis au final, essayer de bosser aussi avec les bonnes personnes, c'est-à-dire en gros, des personnes qui peuvent vous préparer le jour de la mission, avec en fait un niveau homogène de formation, pas beaucoup de participants, en étant bien payé, et il y a moyen d'arriver à exiger ce genre d'ambiance, d'environnement pour avoir une mission sera la meilleure le jour même, parce qu'il y a énormément d'organismes qui vendent des formations en pensant pour y vendre des pneus, ce serait pareil, quoi. Enfin bon, faut hésiter de bosser avec des boîtes comme ça. Donc s'ils vendent du Java et du massage créatif, faut éviter ce genre de formation. Alors, effectivement, sur ce qu'il vient de dire, juste sur la fin, Fadiaf, il y a des centres de formation où vous en carrément les catalogues en vous disant qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Alors effectivement, au début, il y a toute la partie, bon, par exemple moi qui me concerne, le web. Puis un seul coup, vous voyez du C, du Java, du machin, et là tu vois, ah, il y a aussi management de projet, management d'entreprise. Ouais, en fait, t'es une fac, quoi, en fait. Non, tu peux pas tout faire. En fait, voilà. Et après, faites gaffe aussi à la concurrence. Enfin, si je peux me permettre de donner des conseils, si je sais pas si j'ai vraiment un peu le temps. Ouais, un coup franc montage. Parce qu'après, après, vous allez avoir de la concurrence. Sinon. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que n'hésitez pas, quand vous êtes sur le terrain, n'oubliez pas que les centres de formation, comme il expliquait, c'est que souvent, en fait, ils ont des partenaires formateurs qui sont des techos aussi indépendants. Mais en fait, ils ne font que ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont chez eux, ils apprennent une techno et après, ils forment dessus. Et en fait, ils ne l'ont jamais pratiqué sur le terrain. Et ça, c'est toujours un truc à mettre en avant par rapport aux centres de formation qui vous envoyaient les leurs. Et qui vont vous dire, voilà, celui-là, ok, ça fait 3 ans qu'il fait cette formation. Ouais, ok, ça fait 3 ans qu'il fait ça toutes les semaines. Donc, en fait, il l'a jamais pratiqué sur le terrain et il a pas l'expérience sur le terrain. Et du coup, pour vous, ça, c'est l'argument commercial qu'il va falloir sortir par rapport aux autres. C'est que justement, vous avez cette expérience et vous pouvez justement montrer que, bah, de temps en temps, bah, ok, t'as choisi de te faire former sur cette techno. C'est bien. Pourquoi? Pour ça, pour ça, pour ça. Mais c'est pas bien pour ça parce que, bah, ça, je peux te le dire, en prod, ça pète direct. Donc, effectivement, les centres de formation peuvent aider. Mais faites gaffe parce qu'il y en a qui vont avec des catalogues d'université, voire pire. Et tu te dis, bah, pourquoi passer par la fac? Pourquoi se faire chier? Moi, j'avais une question. Tu disais, si on n'est pas bon, on n'est pas payé. Ça veut dire quoi? En formation, quand tu formes un client, après, il faut prendre les retours de chaque personne présente. C'est-à-dire que chaque demi-journée, il faut faire signer une feuille d'émargement. Puis après, derrière, il faut leur demander de noter. Enfin, je ne sais pas si tout le monde a déjà suivi une formation d'entreprise. Mais il faut faire tout ça, et s'il manque quelqu'un, je parlais pas payer pour les centres de formation, quand on passe par les centres de formation. Parce que du coup, s'il manque quelqu'un qui a pas signé, faut l'avoir justifié à l'avance, donc ça tombe bien, on n'est jamais sûr à l'avance que le mec sera là, ou pas là. Et donc s'il est pas là, faut le justifier, derrière si les notes sont mauvaises, il y a les centres de formation qui vont dire, nous, pour des critères d'excellence, on veut que vous ayez au moins 80%, parce que sinon, bah, on vous paye en dégressif. Ah, dur. Parce que là, t'as toujours un guignol de ton endroit qui va s'amuser à te dire, hey, tiens, c'est de la rigolade, de toute façon, la notation, personne ne les lit, vas-y, je lui mets 0. Et là,
Et là, tu fais, ah, tiens, je devais toucher 2 400 €, j'ai touché 200 €, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ah mince, j'ai travaillé pour 200 € ma semaine. Bonjour. D'où sortent les chiffres de 14? En fait, le micro, c'est pour la caméra. Donc, les chiffres que tu as cités concernant l'État qui paye la formation, ils sortent les 14 milliards. Alors, les 14 milliards de tête, c'était sur un rapport de je sais plus quelle commission d'État ou de l'Assemblée qui voulait justement en prévision de la réforme des formateurs. Là, comme ça, de tête, je pourrais pas te donner de lien. je m'en souviens pas et c'est le choix que j'ai fait en plus de pas faire de slide. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué même pour te dire le lien à l'oral. Voilà. Beaucoup de questions pendant l'apéro. Merci.